Ne jugez pas mon niveau de jeu, les gars. Hein. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté. Ah, lui. Ah, lui. Oh mon sang. C'est quoi? C'est le doubrage. Doubrage, Yeah. yo. C'est la Wikitapine. C'est la Wikitapine. Pas le truc qui est tout comme tu entends. Oh my god. Minute Celsius. Mais cœur. Cœur? C'est lequel le cœur? C'est quoi ce son? Ah, c'est un son à la PNL, non? Je crois que c'est celui que j'ai bloqué, hein. Ouais, c'est celui que j'ai bloqué. Puce sa grand-mère à une bêtise. Rebloque-le alors. Chante tout doucement, on dirait qu'il est en train de mourir. Ouais, non, elle est... wow, je vais les bloquer de fou sur Spotify. Joro. Premier adversaire. Mais quel est cette Ah merde, il a attaque? quitté. C'est MD, c'est un MD de qualité, gros. J'ai vu sa stat, ses statistiques. J'ai dit quoi, oh, on va le prendre. Parce que je savais que j'allais plus avoir de MD. Je t'invite à regarder ses statistiques in-game plus en détail. C'est quoi, t'as un défi création ou si c'est gratuit, c'est gratuit. Ouais, c'était un SBC. Un SBC où tu devais faire une équipe à 83 de général, je crois, un truc comme ça. Un roumain. Ouais. Ok. 95 places. Ah ouais, il y a 95 emplacements off, Bien sans sûr. finition. Ouais. C'est une icône. C'est sûr ça. Attends, je reviens. Vous avez double top? Ah ouais, si on peut pas quitter YouTube, et ah c'est de la merde ça. C'est lié au monde. Shit. CRP auto, CRP auto. Okay.
la balle parce que tu fais ses tourons. Quand tu fais ses tourons, c'est parfois là comment ils enlèvent. Ils enlèvent encore plus les ennemis de l'homme. On a mis un son cassé. En fait ta barre de vie en fait il adapte au méchant en gros. Même si ta barre de vie elle fait tout l'écran, il va la place au one shot en fait. Voilà. M'en fous de ma S-Mama putain, faut ça ménage les ténèbres. Putain de merde. C'est lourd, on va être posé là. Une bagou, bye. Il t'a chié, qui était chié, il t'a chié, Naruto, Luffy, et Zoro, et Big Mom, le Chopper, et Frankie, non. Devant le monde, nanana, Big Mom, Kaido, et le Faucon, ouais, tout ça, on est là, un ami, et Robin avec Frankie, Luffy, Zoro, on est là, chié. Je lui fais le tout dans ma chemise. Lui le temps de ma vie. En belle et on le cache comme une chemise. Joaillie ma chemise. Belle et on le cache comme une chemise. On attend pas mon prochain titre. Ça rentre comme ma montée. La 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 la. Je vois que t'as pas compris. Parce qu'en ville se tourne la vie. Mais ils font tout le pays. Un porte langage de mes ennemis. Ça montre comment ça arrive. Ah, in the world. Bye bye. Bye bye bye. So good. Go go bye. Go go bye. Yay 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 yay. Non, ce son là il est trop lourd. On va remettre. Oh là là. T'as des. Hey bitch. So, les assez bitch. Les assez bitch. Let's go 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 go. Il y a du R9, de la dinguerie là.
normal, ça c'est la même chance, mais nous on aurait eu R9 si on avait continué. Ouais, ouais. Salut en compagnie de Pierre Ménès. Oh, premier ballon de touché par Von Basten. Oh là 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 là. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Je ravis la pour les adversaires à sortir et à prendre des risques. Salut, je suis comme ma cheville. Vous voulez découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Oh, la fin de passe de Santiago Arias. L'équipe qui s'est renforcée en attaque. Tout le monde maintenant, hey, je te promets là, tout le monde. Non, arrête mon gars. Avec un tir. Ouais, là, le gardien. Tout le monde, comment dire, met Zlatan sur un côté. Bobby Moore qui porte ce ballon. Vous avez bien sûr Anthony Rivaldo. Elle est Rivaldo. Et sur le terrain, on retrouve Rivaldo. Un joueur qui avait vécu l'année 99 absolument exceptionnel. Oui, il a pas. Ah, Balouta, tu prends des profondeurs tout seul. Avec un, à la clé un titre de champion, mais aussi une Copa América avec le Brésil. Saison récompensée par un ballon d'or d'ailleurs. Attention à la frappe. Non, c'est contré. Ronaldo. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Zlatan Ibrahimovic. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Rivaldo pour jouer ce ballon. Reichkab. Jamais ta vie. Je... C'est bon. Je vois mal. Hein. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le gardien qui repousse. Eh, faut arrêter ça, les trucs comme ça. Mon joueur, il va pour prendre le ballon, il se prend le joueur qui est par terre, il se déchire la dinguerie. Sa signification. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Santiago Arias. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouh, dommage. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Mec, c'est quoi ça? Il prend le ballon et un triangle. Mais là, c'est abusé. Allez, Rivaldo. Il est là aujourd'hui, Rivaldo. Et personne n'a oublié la qualité de son jeu avec le Barça, avec le Brésil. Ce Brésil. J'avais zappé que le terrain il faisait mal aux yeux quand tu jouais en fait. Rivaldo, scénario qui annonçait un petit peu celui de la Coupe du Monde 2002. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Oh là là, Van Basten, déviation de la poitrine. Quel homme! Le ballon pour Pavel Nedved. Nedvedinho, Nedvedinho. Il allait me tuer, gros. Peut-être on fait semblant, on peut genre attaquer, je vais trouver. La voie est libre. Bien sûr. Le dégagement pour éloigner le danger. Un sofa, hein, il veut le Gabriel Jesus tout ça derrière. Oh, le centre peut-être. Et la bonne anticipation. Penalty. Elle est rouge, donne-lui un rouge. Donne-lui un carton, comme ça, voilà. Zlatan, maintenant, il est averti. Continue, Zlatan. Ah oui, j'ai compris en fait pourquoi ils mettent tous Zlatan sur un côté. Comme ça, ils font centre au deuxième poteau. Et. Putain. Le ballon pour Pavel Nedved.
Ah, y'a rien. James Forrest. Téma, il a le ballon, elle a un triangle. Allez, les rouges. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Attention, il a du champ devant lui. Ballon rendu à l'adversaire. Putain, hey, je suis n'importe quoi. Ça doit, j'ai arrêté de jouer. Ouais, il lui remet. James Forrest. Oui, il va centrer là. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Il a cherché le point de pénalité. Oh, la transversale! Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Fait chier. Mais le cadre ne pourra pas repousser toutes leurs tentatives non plus. Oh, l'énorme plongeon! Je suis à quoi? Je suis à un tir. Je vais faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse. Trois pressos. Ah, pas terrible ce qu'il vient de faire, le gardien qui ne va pas s'en plaindre. Non, c'est un peu bizarre ce qu'on vient de voir. Prochaine fois, normalement, c'est au fond. Bradley. Le ballon pour Pavel Nedved. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Nedved à la récupération du ballon. Oh, il peut centrer. Franck Reichter le premier sur ce ballon. Elle, la voilà la frappe. Eh oui, il y est. Et ben voilà, un but pour son premier match, ça va le mettre en confiance. Le médecin spécialiste. Un peu de conversation pour le sportif, mais c'est une convention peut-être. Marco Van Basten. Wouhou. Je sais pas, ça c'est. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. De Rossi. Zlatan, ils construisent, ils font tourner. Zlatan. Ah ouais, l'engagement. L'engagement, il y a la minute. La minute, elle dure trop longtemps. C'est 2 minutes, on a eu 3 minutes 30 passées. Ah là là. Ah là là. Et moi, tu veux pas me laisser, hein? Ibra Van Basten. Le Duc. Le Duc Ibra. Non, c'était cramé. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ouais, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non? Pourquoi tu mets plus Milinkovic? Non, elle a frappe lointaine. Hein? Milinkovic, c'est fini. Ah, Bradley, il a des stats de ouf, ma gueule. Bradley, Franck Rijkaard est le premier sur ce ballon. Franck Rijkaard, l'archétype du joueur polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe, sur le flanc droit, du milieu, du terrain, mais aussi plus en retrait. Je t'ai entendu dire qu'il est comment par Rijkaard. Tu cours pas auprès du ballon. Mais non, mais j'ai suivi les Pays-Bas à l'Euro 96, donc il reste 2-3 trucs de prononciation. La faute était évidente et l'arbitre siffle tout franc. Un bon coup à jouer sur ce doucement en jouant dans la surface, ce sera un bon début. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. Votre analyse, Pierre, sur la première période de ce joueur? En profondeur, oui, bien vu. Et la passe. Ouais, très très bonne défense. Putain, dommage. Il est mort, ma gueule. Tu passes devant, tu prends le ballon. Mais... Oh oui, encore une bonne passe. Jésus, il a gagné. Ah non, il a intercepté, bien sûr. Ah oui, la bonne passe. Ouais, bel appel de balle. Andanovic est sur ce ballon. Et ça file encore bien. Chelou ça! C'est fou! Après, c'est en train de crever le du serpent, après, il est encore vivant!
Alors je... Ouais, sors vite de cette zone là, tu manges la ligne, pourquoi tu manges la ligne? Normalement là tu te centres. Son serpent quand tu lui crèves et après tu dois te barrer de toute façon. Reçu. Mais oui. Zlatan. Ouais, la bonne transversale. Regarde. Tu les prends les ballons aériens, mais je te promets, les ballons ils reviennent dans ses pieds. Allez, vous voulez pas me mettre sur Rivaldo. Il a du soutien autour de lui, c'est bien. Putain. Oh là là. Ouais, la frappe. Star Foufou. Il y a beaucoup d'espace devant. Allez, le centre maintenant. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, fuck off. Et le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Ouais. C'est quoi ça appelle, là? Corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. On va être plus précis hein, sur ces corners. Ah, c'est dégagé par Miranda. Regarde encore, encore. Mes joueurs, ils prennent le ballon de la tête. Mais je te promets, c'est touché juste à peine. Non, normalement, tu la prends. Prends-la pour de vrai, mon gars. Medved à la récupération du ballon. Allez, Rivaldo. Le ballon qui revient dans l'axe. Ouais, bon. La frappe. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Putain. Quel dernier mot sur ce ballon ? Toute sa vie, ça va être ça. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Hey, il doit sur le côté en fait, c'est n'importe quoi mon frère. Regarde, tu lui récupères le ballon. Ah non. Tu peux pas sincèrement. Depuis le début du match, tu récupères le ballon, à chaque fois ça retombe. Il a toujours la seconde chance. Il fait de l'ombre à R9. Putain. Je sais pas comment jouer à ce jeu, moi. Tout, un triangle, ton joueur il saute, il la touche à peine, ça repart en profondeur pour lui. Tu la récupères, il tire avec son mauvais pied, poteau, ça revient dans ses pieds. De toute façon, si tu revends toute ton équipe là, ça te fait combien là? 2 millions? C'est que des invendables. Non, de toute façon, moi. Moi je me sens bien avec mon équipe, hein. C'est comme je t'ai dit, le jeu, des fois tu peux rien faire. Regarde, tu passes, Miskin. Ah, Miskin. Miskin, ouais. Ronaldo. Aucun problème pour le gardien. Le mec, il a fait que ça. Elle a un triangle. Il joue à FIFA. Hein. Il prend sa chance. Lui, c'était déjà pas mal, mais alors, lui, c'est fort. Regarde ça. On va sur le ralenti, tu le gardes. Lance-roquette. Finalement, il était pas loin de l'arrêter. Mais... Allez, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Comment tu peux avoir un joueur à 99 de finition, 99 de puissance de frappe, 99 de tir de loin et ne pas mettre de lance-roquette? Ma bite. Le ballon dans l'axe, attention. Allez, marque ton corner et après on n'en reparle plus. Le défenseur qui contre ce ballon. Ah ouais, toi t'as vraiment pas abandonné le time finish.
Bah, pourquoi je l'ai abandonné? 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Non, donc quand je pousse 6 fois le ballon, tu la pousses pas. Au moment où je me dis c'est bon, je vais changer de direction, tu changes. Oh là là, tu la pousses. Non. Oh fuck off. T'as ton couloir, tu le prends pas. Ne s'y trompe pas, ce serait bien de marquer maintenant. Santiago Arias. Bradley. Sergei Milinkovic-Savic. Vous avez bien sûr reconnu Rivaldo. Les deux équipes au coude à coude. Putain, hé les gars, vous êtes trop loin. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé. Alors je signalais. Vous êtes trop loin les uns des autres. Le ballon pour Ronaldo. On est dans le money time, hein. Le match se joue maintenant. Ils sont entrevers ses partenaires. Ah, ça passe tout à prix, hein, j'ai l'impression. Vous allez les insulter encore, hein, putain. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon. Trop loin. Ils sont tous. Vas-y, faites-moi ça. Voilà, Marco. Premier match. Tu nous grattes le point du coup, quoi. Ah là 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 là. C'est ce genre de joueur. Pied gauche, pied droit, tout y est. Que des connards en début. C'est ça qu'on aime. Qu'est-ce qui se passe? Bastien, c'est ça, tu prends le ballon, tu tires et puis c'est tout. Moi je veux que ça, tu prends le ballon, tu tires.
Ah bah joue comme ça, joue comme... Voilà. Deuxième adversaire du jour. Oula, ouh. Il a une équipe super offensif, hein. Cannavaro. Bonjour, bienvenue à tous pour cette rencontre que nous allons commenter, entassée dans une minuscule cabine avec Pierre Ménès. Ouais, entassée parce que je suis là. L'équipe à domicile, dont voici la proposition. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Alors on va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Pourquoi ce passe ce Les joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3 aujourd'hui. Avec un trio d'attaquants proche de l'axe pour pouvoir multiplier les permutations. Icecraft. Bradley. On va s'attarder sur deux joueurs en particulier, Pierre. Ah, ça c'est sûr que ces deux-là, ils ont toutes les qualités pour poser des problèmes à l'équipe adverse, ou même sur un éclair de génie, de faire carrément basculer la rencontre. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Non, ça passe. Ah là 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 là, fuck. Putain, j'ai cru t'allais te dédoubler. On continue là, je décroquais, t'as infernal. Elle était finaliste de la compétition avec la République tchèque après avoir éliminé la France en demi-finale à Old Trafford. Et dans la foulée, il était parti en Italie à la Lazio. C'est dans le paquet, le dégagement pour éloigner le danger. Santiago Arias. Reichsgaard est le premier sur ce ballon. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, qui va reprendre ce ballon? Pablo Sarabia. Marcelo. Pablo Sarabia. À Doris. David Villa. À Doris. David Villa. Oh, bien joué. Sur le spectacle avec efficacité. Ils obtiennent finalement le corner. Coutinho pour un partenaire dans la surface. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Joan Jordan. Pablo Sarabia. On repasse par Marcelo. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ah, il passe par-dessus pour Rivaldo. Mais tire mon vieux! Toujours danger. Oh Nedvedinho, Nedvedinho! Bobby Moore qui porte ce ballon. Bradley. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Attention à la frappe. Oh là là, dommage! C'est pourtant une belle occasion. Peut-être trop belle même. David Villa, Pablo Sarabia, Juan Jordan, et Marcos. Allez, le centre à venir. Le centre au second poteau. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Medved à la récupération du ballon. Santiago Arias. Bradley. Reichsgaard est le premier sur ce ballon. Le ballon pour Pavel Nedved. En profondeur, oui, bien vu. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Pablo Sarabia. Coutinho. David Villa.
Antoine Jordan. Allez, faut s'appliquer pour centrer. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Et on a dégagé pour écarter le danger. Allez, peut-être une bonne touche là. Oh, la touche qui est interceptée. Le ballon dans les pieds de Sam Campbell. Pablo Sarabia. Franck Rijkaard est le premier sur ce ballon. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Les gars, c'est quoi ces passes tout le monde là? Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Des Marcos. Adouris. Pablo avec un tir. Sans danger pour le passe toute molle. Alors le ballon est perdu. Le ballon pour Pavel Nedved. Oh, c'est dangereux. Et le ballon bloqué par le gardien. Et Marcos. Pablo Sarabia. Marcelo. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Merci. Et compagnie qui dégage et qui débarrasse. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Adouris. Oh, il peut centrer. David Villa. Putain, David Villa 45e. Ah, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, la bonne dame. Ah ouais mon frère, t'as des occasions, tes joueurs ils te les mettent même pas, ils sont devant la cage. Ouais les gars, Nedved est devant la cage, tu tires même pas, t'es à 1 mètre des buts. Les occasions comme ça, si je les mets même pas, tu vas, c'est sûr tu te fais punir après. Eh oui. Tu es faible David Villa, t'inquiète-toi, ça parle pas chinois. Voilà, je pense qu'il avait en tête, il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Espace devant Nedved à la récupération de ballon. Nedved, on avait découvert vraiment le grand public au championnat d'Europe en 96. Il avait été finaliste de la compétition avec la République tchèque après avoir éliminé la France en demi-finale à Old Trafford. Dans la foulée, il était parti en Italie à la nature. Marcos. Jordan. Pablo Sarabia. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre. Bradley, bah oui. Pour la seconde période. Adouris. Oh la barre! Oh le but! Mais Santiago Arias, je peux même pas le sélectionner, c'est évident qu'il va me marquer le but, c'est évident. Arias, je peux même pas le sélectionner, c'est le plus proche de l'action. C'est le plus proche de l'action, ben non, je peux pas. Je ne peux pas. Merci, hey. Oh oui, encore une bonne passe. C'est excellent, quoi. Rivaldo frappe. L'occasion de revenir à vue. Eh ouais. C'est incroyable. Gros, j'ai le ballon. Hey, le ballon, il est devant mon arrière. Je peux pas le sélectionner. Je suis bloqué sur mon joueur. Et je savais très bien si je pouvais pas le sélectionner, il y aurait but. Et bah c'est ce qui s'est passé. David Villa, il m'envoie un pétard avec son pied faible et de la dinguerie. Et complètement à côté de ses pompes cette équipe. Donc normal que le public s'impatiente. Si elle ne presse pas davantage, elle n'est pas prête de revoir le ballon. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. T'as Nedved qui a 1 mètre du but, mais il tire même pas. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Le ballon. Avec Nedved qui frappe. Merci Nedved. Finesse, le gardien qui est battu.
cette équipe qui revient donc à un petit but de son adversaire. Ouais, attention que la confiance ne change pas de camp. Et mène à la marque désormais de buts à 1. Pablo Sarabia. Qui va peut-être retrouver le preneur. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Oh, c'est bien donné en profondeur. La frappe. C'est dommage. Si tu peux le mettre dans la tête, c'est fou ou pas? Paul Jordan. Mais non, Bradley. Peut-être une situation intéressante là. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Marcos. Allez, il faut qu'il lève la tête. Parce qu'il trop loin, les gars, du porteur du ballon. Vous êtes trop loin. Merci, Rishka. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Le contre qui se rapproche du but adverse. Allez, Valdo, pour jouer ce ballon. Allez vous faire enculer, hey, mon frère. Hey, il pleut là? C'est incroyable. Mignon garçon est là. Ananganana. Eh, dommage que Richard se fatigue trop rapidement. Putain, j'ai. Comment? On dirait. Il n'y a pas de véhicule, frère. Non. En position idéale pour centrer. Non, j'ai fait aussi. Théma a une passe entre deux joueurs. Il n'y a même pas d'espace dans la passe qu'il fait avec son Figo. Il n'y a même pas d'espace. Il arrive à faire cette passe-là. C'est incroyable. Et toi, t'as tout l'espace du monde, bah tu n'arrives pas à faire une passe. Incroyable. Non, mais je jure, gros. Hey, tu vois la passe qu'il arrive à faire, son Figo, millimétré, la balle, elle reste contre le sol, oh, jamais assez levée. Jamais assez levée, la balle. Pied faible entre les deux. C'est même pas genre il a raté sa passe ou quelque chose dans le genre. Précise. Non, pas ici, pas dans ce sens-là. Moi, je voulais que tu le faisais pour ressortir. C'est dommage, hein. Sincèrement, c'est dommage. Tu réussis. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Est-ce qu'il va centrer? Quelle qualité de passe dans cette équipe, les joueurs se trouvent. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs intelligents et l'intelligence, même la foot, ça aide. Oh là là. Et compagnie, qui dégage et qui débarrasse. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Toi, tu récupères aucun ballon. Tous ces joueurs se trouvent. Marcelo, il intercepte. Et regarde, ton joueur, il la récupère. Il prend 20 ans pour faire une passe. 20 ans, mec, il n'y a pas le temps là. Je vois pas le temps. Regarde, mais non, regarde, voilà. Milinkovic-Savic, il rentre, il arrive même pas à faire une passe à Nedved. Aïe, aïe, aïe. Il va chercher Van Basten. Ah,
Non, moi je sais, je pas encore mis ces bâtards. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage les gars, c'est dommage. Putain. Marco Van Basten avec le maillot de la Casablanca, n'est-ce pas grandiose? Pareil pour Rivaldo, oh là là, le maillot blanc il ressort trop bien, c'est incroyable. Putain, tu t'arrêtes d'accélérer, voilà tes joueurs et tout. Que de chemin parcouru pour ce joueur, on a l'impression qu'il a débarqué dans ce club hier et pourtant, comme tu viens de le préciser, c'est déjà son 100e match pour ce club. Attention, ça peut être dangereux. Regarde, mais regarde, putain. T'es sûr, tu leur donnes le ballon, il fait un contrôle, la balle là, s'envole. Regarde, tu la récupères, ben non. Allez, Rivaldo. Allez, Rivaldo. 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 Ah ouais, bah oui. C'est quand il n'y a plus de solution, vous venez. C'est quand je me fais prendre le ballon. Oh là là. Aïe aïe aïe. Regarde, tu l'as. Elle, voilà, tu la récupères chez eux. Eux, te la récupèrent instant. Hors jeu ou pas? Dommage, il aurait mis celle-ci là, j'aurais crié dans tous les sens. Ah là là, le petit toucher était subtil. Subtil. Putain, le petit toucher de balle là, il était subtil. Oh là là, dommage. Piche. Ah dommage. Putain. Regarde. Oh.
Bah ouais. Ah ouais mon Dieu. Bah oui mon vieux, bah oui mon Murray. Garder une c'est pas de l'eau, c'est très difficile. J'ai trop du mal en D1. Allez Rivaldo. Mais non, tu veux pas faire le coup, tu veux pas mettre le coup du sombrero, mais tu veux toucher le ballon. Ça sert à quoi? Eh, le temps ici, il est trop chelou en France. Voilà, tout pour perdre du temps. Merci Santiago Arias. Enfin. Mais regarde, les mecs, ils appuient X ou rond, je sais pas, ils prennent le ballon. Toi, ton joueur, il est là. Mon vieux, il la retouche. Allez les gars, même ton Edved quand il la récupère, il fait si touchant trop. Il a raté. Regarde, regarde ça me va. Oh là 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 là. Non, moi je me désabonne après ça. Si je perds ce match, je me désabonne. Oh là là. Il y a personne dans la cage, bordel. Il n'y a plus personne, je te jure. Qu'il n'y a plus personne. Quand je dis ça là, voilà que c'est vrai, les gars. Il n'y a vraiment plus personne dans la cage. Il rate. Et il rate. Putain, il va marquer. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Merci, bien joué. Faites que je perde, s'il vous plaît. Non, je veux juste ça, moi, c'est bon. Samba, il n'y a personne dans la cage. Je te promets. Tu sais, c'est quoi? Il fait sortir son gardien, il est au milieu de terrain, gros. Personne devant la cage. Je te dis, hey, Yoni, il n'y a personne dans la cage. Son gardien, il est loin. Hein? Voilà. Frappe. Hein. Il cadre même pas. Il cadre pas. Comment tu veux jouer? Tu cadres pas. Tu vas aller où comme ça? Eh non, c'est pas comme. Et regarde, Rivaldo, tu dédoubles pas. Rivaldo, tu me dédoubles pas. Tu me dédoubles pas, putain. Il n'y a pas faute. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. Ah, et tu me donnes un carton, je l'ai même pas touché, je contrôlais même pas la suite. Dans l'action, je l'ai jamais contrôlé. Tu me donnes un carton avec un joueur que j'ai même pas contrôlé. C'est magnifique, c'est magnifique. Je crois que j'ai arrêté de jouer en cette formation là, je vais me mettre en 4-3-3. C'est nul.
Ah non, bah genre 4-3-3, c'est bon. Aïe. Il a le temps de faire une roulette. Il a le temps de... Oh là là, jamais j'ai récupéré le ballon. C'est incroyable. Jamais. Tous ces joueurs, ils sont là pressing. Ces joueurs, ils sont toujours tout proches de mes joueurs. Je comprends pas comment ils font ça aussi. Je comprends pas pourquoi eux ils arrivent à faire ça, moi j'arrive pas à faire ça là. Faut que j'apprenne à faire cette merde là. Comment ces joueurs ils peuvent être toujours collés à mes joueurs? Regarde, même quand je vais en contre-attaque, pas de solution. Eh ouais, tes joueurs ils te font 6 touches pour faire un contre eux. Oh là là! Allez! 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 Ok! 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 Tu vois? Ça aussi, ça résume encore. Bradley, t'es dans un côté, t'es pas loin. Normalement, tu dois être proche de moi. Regarde, personne! Oh là là! Il va pouvoir centrer! Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Interception. C'était pas à toi d'être ici, Van Basten. Putain, ouais, vous déréglez. Vous déréglez, vous déréglez entre vous-même. Regarde, toi, tu peux pas prendre le ballon. Lui, il arrive à trouver du décalage. Putain. Oh là là, oh là là. Allez, Rivaldo, cours, cours. C'est même pas lui qui défend sur moi. Ah là 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 là, c'est même pas l'adversaire qui défend sur moi. Et là, je fais faute. C'est incroyable. Bobby Moore, c'est ta mère, Bobby Moore. Putain, je comprends pas. Hey, j'ai marqué? Comment j'ai fait pour marquer même? Regarde. Tes joueurs, ils ont jamais. Hey, je. Putain, pourquoi vous regardez pas mon live, les amis? Oh là 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 là. C'est incroyable. Mes joueurs, ils font 66 touches avant de se faire, avant de retourner, de vouloir se retourner, putain. Comment vous
danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. J'ai parlé un petit peu vite hein, sur ce dégagement. Wesh Moki, ramène ton cul. Ramène ton cul, je t'ai dit. Allez les gars, ah là là, what the fuck man. Stefo Ederson, il a un jeu, il a une relance au pied, elle est exceptionnelle, il tire trop loin. Medved à la récupération du ballon. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Là, il y est. Oh, il y est, qu'est-ce que c'est bien joué. Et qu'est-ce qu'il est important ce but. Par conséquent, on vient un score de parité. Eh bien, le ballon qui donne l'avantage. Il va faire mal. Maintenant, il va falloir pendant les quelques minutes qui restent. L'arbitre va décompter 2 minutes de temps additionnel. Ce corner qui peut être l'occasion pour eux de se mettre définitivement à l'abri. Dans les rues, Paris, qui l'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. La faute sanctionnée d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. Il va sûrement tenter d'envoyer le ballon dans la surface. Un but maintenant, on les mettrait définitivement à l'abri. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Et l'intercepte. Même faire une passe, bande de fils de. Moi, je suis fatigué de. Fatigué. Ouais, je suis fatigué. Ouais, la D1 c'est trop dur. Gros. Ah, une victoire c'est 500 points en D1. Star foufou. Une victoire c'est 500 points, après tu gagnes 50 points par but. Donc tu me sens vite, c'est en rang. Tu as pété combien toi ton ordi là, ta tour du moins 250€. 250€, c'est tout. Ouais, j'avais 180€ de réduction. Ah, ouais, donc faut préciser. Ah, mon ordi, il fout la canne, ça le fout. En live. Ouais, mais c'est par en haut. Moi, ça me fait changé 3 fois là, en quelques années. Là, ça me. Non mais le mien ça faisait quoi, je l'ai depuis... Je sais pas, il a plus de 10 piges hein. Ouais, ouais. Ah bon, AMD... AMD de l'époque ça me fout. Hein.
Oh, 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 t'es là, c'était kiff. Oh là là. What the fuck, man? Zbub, zbub. This is the real shit. The bullshit. This man want to kill me. Il a une équipe gros, c'est Star Foufou. L'équipe à domicile, voici la proposition. Yeah. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Of course. Évidemment pas du tout évident à bouger. Petit, il va découvrir à présent la proposition de l'équipe visiteuse. Un schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais... Eh, si tu lui donnes pas un carton après ce qu'il vient de me faire, gros, t'es sincère l'arbitre? Ouais, Dégui, il est serein. Oh, on bégaye pas, nous. Santiago Arias. On a confiance en soi. Apparemment, Van der Sar, il est drogué. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Frank Rijkaard est le premier sur ce ballon. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Au long de la ligne de touche. Bradley. Bobby Moore qui porte ce ballon. Ouais, bon ballon. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. En profondeur, oui, bien vu. Oh là là, l'occasion. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super. Ah, le corner est tiré au cœur de la surface. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Et il dégage. Ça revient dans les pieds de l'adversaire. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Frank Rijkaard est le premier sur ce ballon. Frank Rijkaard, l'archétype du joueur polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe. Ah ouais, c'est bien fait ça. Un petit peu d'espace pour centrer. Attention, hein, ces coups de pied arrêtés sont souvent des occasions de but. Il va atterrir aux abords de la surface. Ouais, la frappe. Bon, sur le poteau. Putain. On a failli prendre l'avantage cette fois. C'est le cadre qui nous en empêche, mais ça pourrait finir par rentrer. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Max Kerr, il est bon. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, il perd ce ballon. Bobby Moore qui porte ce ballon. Il va pouvoir adresser un centre. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Putain, Zerma, ils font des passes, lobé. Comme je dis, ça, c'est vraiment un truc incroyable. C'est révolutionnaire, ça. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ah, le Ramsey. De Bruyne. Aubameyang. Non, non, c'est trop lointain, là, ce tir pour surprendre le gardien. Bradley. Frank Rijkaard est le premier sur ce ballon. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. La transversale pour renverser le jeu. Rijkaard. Vous avez bien sûr reconnu Rivaldo. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon. Et encore un duel pour la récupération du ballon. Re-
Il est à récupération. Bien, donc Aubameyang. Il est. Mais c'est quoi ça, les mecs qui. Putain, hey, c'est pas le même jeu. Moi, je joue pas au même jeu, gros. Et... les mecs, ils tirent une fois. Ils sont, ils mettent des croisés. Ça va dans la lucarne direct. Direct. Toi, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, mais ça va jamais rentrer. Tout, tout. Tout, mais vraiment tout. Tout. Ah oui. T'as la main mise sur le match. T'as tout, mais non. Rien, niette. Ah, enfin, enculé. Vraiment un jeu, hein. La frappe de Rivaldo. Bon, attention, c'est pas fini. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, c'est le marque qui passe. Et voilà, engagement, Thierry Henry. Il tire, ça rentre. Tout, tout, tout. Et les mecs, en fait. En fait, c'est pas moi le problème. Non, en fait, c'est pas eux le problème, c'est moi. C'est moi, en fait, le problème. J'ai pas compris qu'il fallait jouer comme un joueur de FIFA. Ça, en fait. Et ouais. Bah ouais. Nedved, t'es collé à Richcard. C'est un peu logique qu'il va rater sa passe. Ça fait deux fois ces attaquants, monsieur l'arbitre, qui casse mon gardien. Et ça fait deux fois, vous donnez rien. À un moment donné, faudrait sévir. Hein. Si c'est pour sévir contre moi, ça sert à rien. Bobby Moore qui porte ce ballon. Le long de la ligne de touche. Santiago Arias. Franck Reichert est le premier sur ce ballon. Bobby Moore qui porte ce ballon. Là encore 2-1. C'est fini, mais comme je t'ai dit, en vrai de vrai, les mecs, ils ont tout pour eux. Ils ont vraiment tout. Tu vois, quand tu t'arrêtes là, il y a toujours des nouvelles techniques qui s'inventent. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, toujours. Toi, t'arrives. T'arrives, t'as même des pénalties, tu les rates. Par l'arbitre sur ce score de 2 buts à 1. Regarde, t'as 9 tirs, 8 cadrés, t'as 1 but marqué, lui il a 3 tirs, 3 cadrés, but, 2 buts. Tu joues pas. C'est difficile. Sincèrement, c'est difficile. J'ai toujours dit c'est difficile. T'as tout, possession de balle, précision de passe, tout ce que tu veux, mais. Et voilà. Si tu joues pas à FIFA, bah c'est mort. C'est mort. Si t'es pas un joueur FIFA, c'est mort. Tu peux jouer ce qui, tu peux reproduire ce qui se passe dans la vraie vie là, mais sur FIFA ça paye pas. La moitié du chemin, c'est reparti. Donc pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques. Alors on va essayer de voir lesquels. Il est dépossédé du ballon. Il va falloir les ouvrir sur cet endroit. Aucun mouvement. Il a du soutien autour de lui, c'est bien. Bah ouais, Richcard, tu montes. Et au moment que j'ai besoin de toi, finalement, tu redescends. D'ailleurs, toi, tu la prends. Tu sais très bien que tes joueurs, ils vont jamais prendre des ballons aériens face à Van Dijk et tout ça. Et ben, la seule fois où tu réussis à la prendre, bah. Merde, c'est un mec de FIFA. Et c'est ça que moi, j'ai pas compris. C'est ça que je devrais faire. Tirer comme si j'étais dans Call of Duty. Oui, je sais, Mookie. Ça, je le sais.
Moi je le sais, moi, jamais dit j'étais exceptionnel. Hein. Ah. Et voilà, un centre, ton joueur il sait, il est même pas sur la trajectoire de la balle. 4 tirs, 3 buts. 4 tirs, 3 buts. C'est fort, sincèrement c'est fort. Tu sais même pas comment il peut marquer sur une action où il est, il est sur un corner offensif. Normalement, il y a tout le monde encore avec toi. Eh ben non. Oh! Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Il y a danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct. Le gardien va devoir. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. C'est incroyable. Hein. C'est dommage. Hein. Il va peut-être y avoir danger. Dommage, voilà que c'est dommage. Des L1 triangle, tout passe, tout, mais vraiment tout. Moi, j'en rage même pas en vrai de vrai. Et je vous fais juste vivre le match. Hein. Ah oui. Parce que tu vois, je deux fois à cause de la vidéo sur YouTube, mais du coup, ça va deux fois, tu vois. C'est ballon pour Thierry Henry. Ouais, très bonne passe, ça de De Bruyne dans l'espace. Ah non, ça fait Lili qui prend sa chance. Oh, de toute façon, le match il est plié. Hein. Le match il est plié. Hein. Non. Tout est possible. J'ai comme je t'ai dit, j'ai perdu. Hier, on a fait un match, on a fait 6-5 à la 92e minute. Bonne anticipation sur cette interception. Je ne sais plus jouer à ce jeu. J'ai trop laissé ce jeu-là, en fait. Et j'aurais pas dû. Ah, ça ne passe pas. Voilà, le nouvel ordinateur, il marche. Pour jouer ce ballon. Je pensais que normalement un joueur sans le ballon il était plus rapide, mais non. On est. C'est bien joué, attention, il est en train de prendre le large. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Mais ton joueur il veut pas prendre le ballon, mais non, putain, c'est dommage, c'est dommage. Tu veux pas prendre le ballon, Rivaldo, t'as le temps quoi. Voilà, Thierry Henry, tout s'est croisé, c'est un délire. Ouh, brah. Bouge pas, sûr. Hey, 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 gaz de 50 euros et la ticket sur le teco. Je me suis levé à 10h30 comme le gérant du ghetto. Le corner en direction du point de pénalty. Ce corner qui échappe à tout le monde, éventuellement un oiseau qui pourrait le reprendre. Il n'y a pas été, c'est quoi, alors, écrit, rembourser le ballon. Je sais pas le truc, c'est la mutuelle, ça rembourse quoi. Virement 7,50€. Mais ça ne ferait pas, tu cries. C'est bien placé pour intercepter cette passe. Il y a l'ordinateur. Il y a deux secondes, t'étais en train de t'enverser, non, tu dis d'enlève. Enfin, mais vos gueules, vous n'êtes pas content, ils sont blasphèmes. Il est là, on voit Rivaldo. Et personne n'a oublié la qualité de son. Voilà Milinko. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit peu d'écart.
Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Est-ce qu'ils t'ont donné virement 7, 50, 13, 35, 23, 7. Bah ouais, battez-vous. Bah ouais, tu fais une passe, Rivaldo, tu cours même plus. C'est pas comme ça le foot, mon frère. Tu proposes plus de solutions juste après ta passe. Mais non, mec. Avec Henri. Côté des passes, c'est assez fou. Moi, je constate juste ce qui se passe. Hein. Je dis, viens, je te fais vivre le match, moi. T'en as pas marre de Franck Sauzet et de Hervé Matou? Moi, je fais vivre le match avec ma propre voix. Ou bien? Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Putain, vous faites tous le même appel, bande de chiens. Sincèrement, vous êtes tous des chiens. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Regarde. Mais t'étais où, Baluta? T'es mon MOC, putain, la transition. Putain, Milinkovic, je t'aime. Eh, hey, c'est la troisième faute sur mon gardien. C'est que maintenant tu donnes un carton. Ah, Alex, cette fois c'est la dernière, je crois. Milinkovic-Savic. Bah oui, comme j'ai dit, les joueurs ils font des passes et après ça arrête. Non. C'est pas comme ça le football, tu fais une passe, tu bouges, tu donnes, tu demandes. Je joue en district, on m'apprend ça. Vous êtes professionnels, les gars. Eh oui, t'as 12 tirs, 10 cadrés, mais ça paye pas. Ça paye pas. Oh là 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 là. C'est dur. Ça va, c'est dur. Non, tu donnes, tu demandes. Non, ici, tu donnes et démarre-toi. Non, les mecs. Tu te mets en style de jeu possession. Non, moi, c'est tu donnes, tu demandes. Ou bien si tu donnes, l'autre, il demande. Eh ben non. Ça se passe pas comme ça. Donc, en vrai de vrai, on va changer de style de tactique perso. Ça veut dire quoi, ça? Possession, rien du tout. Non, ça c'est nul. Là. Ouais, on va jouer en long ballon. C'est mieux, jouer en long ballon. Au moins, tu sais que si tu fais ta passe, bim, 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 les joueurs rapides avec un placement de ouf, ils iront vers de l'avant. Et puis c'est tout. Là, tu donnes, il redemande plus après. Non, les amis, c'est tu donnes, tu redemandes. Fuck you, fuck la France, fuck de Mene. Est-ce qu'ils ont sorti des trucs même? Et là il est 19h. Clairement le temps est passé vite. Hein. Nothing. Hey.
Glory Champions. Champ encore en ton âge. Qui fut champs? Ah là 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 là. Sincèrement, je t'invite à savoir lire, mec. À savoir lire. Moi, je sais pas. Moi, j'entends un mec crier, chanter fut champion. Non, je chantais juste la musique de la Ligue des Champions. Les oreilles, c'est comme le trou de balle, poteau, ça se lave. Je me lave autre chose, moi. Tu te laves quoi? T'as même pas... T'as loupé promesse, là. Eh, hey, je t'ai dit, y a pas l'argent encore, gros. Ah, bon, quand ça fait l'argent. Ah, tu connais, hein. Y'a pas là, y'a un... Moki, je lui ai demandé, viens, on joue, il fuit maintenant. Viens, on joue là. Qui? Qu'est-ce que je fais? Je sais même pas si je joue à domicile, si je joue à l'extérieur. Aïe aïe aïe, je joue à Sekiro ou pas? Non, moi je vois Sekiro. Oh là là. Le mec il est en D1, il a une équipe éclatée, je vais me faire péter le boule. Et c'est ça qui va me rendre ouf. L'année prochaine, je lâcherai pas FIFA, quoi qu'il arrive, les gars. T'as même pas lâché encore là, quoi. Eh, hey, j'ai dit, j'ai fait des pauses. Tu vois, mes pauses, moi, elles durent pendant des 6 mois. C'est des pauses professionnelles, frère. Ouais, mais ces pauses-là, faut pas les faire, en fait. Dès que tu les fais, c'est fini. Je laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on pense bien, c'est le système utilisé les Français. J'allais faire quoi déjà? Donc ça va faire de la livraison là. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là. Allez, Rivaldo. Le ballon pour Pavel Nedved. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Il a du soutien. T'es mieux de voler Pavard. Ah, vas-y. C'est un jeu d'enculé, ça. Eh, je rate tout, mais je rate tout. Je suis un poisson. Durant mon penalty, j'avais même pas la tête vers son gardien. Que je regardais ma manette. Vu que je sais pas les tirer maintenant. Non, ça n'ira pas plus loin. Putain. J'ai pris le ballon, j'ai appuyé X comme une chiotte. Va-t-il parvenir à centrer? Quel est là? C'est un centre pour Neymar. Allez, les mains sur le gardien.
Oh putain. Mais non, comment vous pouvez me faire ça? Et le ballon, il est devant mon Richcard, vous mettez pas le curseur sur lui. Vous forcez avec mon Edved pour pas que je récupère la balle. J'ai fait quoi déjà, moi? Ah, ma puce. Je l'aime à peine dans le son. 1-1-1-1-1. Non, faut pas envoyer le message. Pas mon ref. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que vous me faites? Mais qu'est-ce que vous me faisiez? Ah là là, mais qu'est-ce que tu joues comme dans ref? Ah mon ref. Ah mon pif. Ah mon ref. Oh là là, compagnie. Et compagnie, il est bon, hein. Sincèrement, si vous l'avez pas fait là, waouh. Il y a plein de joueurs qu'on devait faire, mais personne n'a fait. Comme qui? Parle pas des R9, Ronaldinho, tout ça. Laisse-les. Et là, laisse-les. Non, je te parle des petits joueurs qui mettent en défi quotidien, là, offert. Mais voilà, quoi. Comme on qui? Dit pas. Bah, à un moment, il y avait des... Je sais plus. Il y avait des Boateng et tout. Ouais, des Boateng MDC et tout ça, mais est-ce que tu as joué avec eux? Bah oui, si on les fait, on joue avec eux, gros. Non, moi je l'aurais fait, je l'aurais mis dans un SBC. Hein. Je crois que je rigole avec ça. Mais que je comprends pas, moi. C'est comme là, cette semaine-là. Là. Genre, on pouvait prendre des joueurs ce mois-ci, des joueurs échange fuite, là. Ouais. Bah quoi? À ton avis, j'ai fait quoi, moi? J'ai économisé jusqu'à ce que j'en ai 12. J'ai pris, comment il s'appelle, Griezmann, je l'ai foutu dans un SBC. Bah, les coups. Allez. Putain, hey, c'est incroyable. Merci Richka. Oh, c'est mal but, t'es mal but, t'es mal but. Vous êtes le digno, je t'aime. Nedved, je t'aime. C'est quoi ça? Oh là là! Non, eh, reprise dans ta lucarne! Eh, Nedved, il est trop excité, ce Blanco! Oh là là! Nedvedinho, c'est pas Nedved, c'est Nedvedinho! Tu vois, c'est pas un tchèque! Franchement, hein. La frappe. Oh, dommage. Le ballon est sorti des limites du terrain. C'est la pire des cartes. Pire des vilaines. Corner qui va avoir au milieu de la surface. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Il va s'appliquer sur ce centre. C'est dégagé par la Denis. Oh là là, Van Basten, pétard, premier poteau, Lucas. Sous la barre, dans la lucarne, le gardien qui ne pouvait rien faire. Le spectacle rendez-vous aujourd'hui. Casser l'issue, c'est la meilleure. Merci Van Basten. Putain, elle avait très bien joué le décalage. Allez, faut bien le tirer si possible. Heureusement que mes latéraux ils ont des 99 de détente. Hein. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Très bonne arena du gardien à bout portant. Il fallait le faire. Voilà, j'utilise que celui-là d'après. Les petits, je peux mettre dans ma valise. C'est hyper pratique. Et en plus, ça, mettre. Ouais, il aime pas lui ta tête là. Acrobat, je sais pas quoi. Bon. Où j'en suis dans ces kilos?
Urgence. Ah, facile la récupération. Benzema. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Fernandinho. Moussa Sissoko. Neymar. Vas-y, tuez-moi, frère. Vas-y, tuez-moi, mon. Ah, dans quelques heures, on va avoir le meilleur signe du monde. Putain, mais regarde Samba, ces buts que je me prends, des dégagements qui se transforment en passes décisives. Mais c'est incroyable. Tu peux plus dégager dans le jeu là. C'est pour ça qu'on aime ce jeu. Bien sûr, c'est pour ça que t'as vendu ton équipe, tout ça. Tout pour la mif, hein. Ce ballon à la bonne qualité de ses passes. Vas-y, Fernandinho, mon frère, lâche mon joueur, gros. Hey, je vois rien, je vois rien. Ballon pour Neymar sur l'aile. Parce qu'il trouve un joueur, mais ça sauf. Putain, le gardien il sort pas, j'appuie triangle, je me dis que c'est pour le gardien que j'appelle, mais non, en fait non. En fait quand j'appuie triangle, c'est j'ai juste pour charger un grand triangle. Oh là là. Ah, c'est pas Van Basten qui l'a mis? Ah zut! Putain, en plus là j'étais prêt à le taffer avec mon Rivaldo là. Oh, croquette là, passe mon jambe. Ça j'aime bien Rivaldo il est trop fou. Là. Edo à la cage, Van Basten, c'est impossible. Dommage. Vas-y, tuez-moi, frère. Vas-y, tuez-moi. Dommage. Je rejouerai sur ce soir. Viens, mon ami. Moi, ça m'avait manqué. Ça fait du bien de jouer. Pourquoi ils avaient pas un mode draft ou crédit limité, frère? Qu'est-ce que c'est cool de déposer 600 000 crédits en draft. Putain, elle vous l'a donné même pas au bon joueur. Oui, il a bien eu le jeu. Ballon intercepté. Putain. Bradley, t'as élevé en défense, je te promets, tu descends à une vitesse, Narchet, un clic. C'est trop lent. Oh! Le ballon pour Pavel Nedved. Il faut qu'il centre maintenant. Ah, joli, choisit la frappe. Ah, c'est contré. Ouais, il repousse, ça joue. Eh, vive Van Basten. Van Basten, je sens que je vais me régaler jusqu'à la fin de cette année. Oh là là. Vas-y, niquez ta mère. Neymar. Ça va être un délire, Marco. Neymar.
Il faut qu'il centre là. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Ça va être un délire. Dommage que Rijkaard il a pas 99 en endurance. Putain, je suis obligé de le faire sortir à chaque fois. Mais Marco là, waouh, waouh. Marco, les sensations que j'ai avec toi. Pas besoin d'avoir 4 étoiles de gestes techniques. Corner à suivre. Il lui a manqué quelques centimètres pour récupérer ce ballon. C'était bien joué. Oh, le long ballon pour renverser le jeu. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Après cette petite phase de possession, il perd finalement le ballon. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Il a bien joué le coup en plus. Putain, oui. Ouais, Hamdoullah, t'as vu ou pas? Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ce contre qui n'ira pas plus loin. Heung-Minson, Benzema. Je pense qu'il trouve un joueur, mais tout pas de vrai. Karim Benzema. Benzema à la frappe. Ils ont blessé mon Edvel. T'es sincère l'autre là, t'es devant, tu prends même pas le ballon. Attention, ce corner de Neymar. Ça part très loin avec ce dégagement. Dele Alli. Ah, il fait d'optique. Avec Hulk. Benzema. Ouais, bon, t'as fait un le ballon. Allez, on va ce ballon. C'est arrivé, Milinkovic-Savic. Allez, ça fait limite à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon pour Sol Campbell. Hulk. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Ah ouais, c'est bien fait ça. Eh, hey, vous pouvez aller baiser vos mères quand j'aime moi. Neymar. Ballon aérien à destination de Benzema. Oh là là, Sol Campbell, un homme. Mais c'est une blague! Oui, j'arrive! Dommage que le CSC il s'est pas compté comme. T'as mais pourquoi il dit ses buts pour lui? Parce que la touche à peine. Ce ballon. Bradley. Ouais, la frappe. Bradley. Il est dans une phase de conservation du bas. Ah oui, le bon ballon là. Oh oui, ça entre. À la 1, à la 2, à la 9, 3. Mandy du Brasil.
Amandeo. J'ai même pas commencé avec tes dégoûtés. J'ai pas le buzz, mais t'inquiète, je suis écouté. À la base, c'est la frappe, c'est la castée. Plus de pitié. Vatos, locos, on est atroce, sors en crosse. À travers le mur, ouais, bah, bien sûr, merci. Ouais, mettre des murs, ça sert à rien. Tu veux du bon shit, y'en a pas ici. Vu ton accent, tu n'es pas d'ici. Fais gaffe à tout, car à Marseille, ça ratatata, tout comme en Russie. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Il veut me faire la guerre, on est bien équipé. On est des assassins. C'est la base. Ça fait la base. Écoutez-moi, c'est le trio. Que des guignols, que des guignols. Ceux qui réagissent, y'a ceux qui miaulent. Les mon affianzo, pour me reprendre, moi de crâne chaud. À la haine, à la famille. Dajidou est mort, tu bonjour à Zepec. C'est l'oseille, tu connais, je suis dans le jazz. Ouais, c'est bon. YouTube. C'est bon qui? Un vieux mec de sniper de merde là, dans un marécage de je sais pas quoi là. Je sais plus comment il s'appelle. On va tenter une dernière fois. Donc tu peux vraiment tomber contre des équipes comme ça, j'y crois pas. Banana, c'est le trio. Banana, puis les filles ignorent. Comment t'as fait un saut? Mais c'est qui ignore? Salut Hervé, salut tout le monde. Alahi ignore. Shira Aguiz, jeu de serpent. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. À la perte. Et le but! Incroyable but! Quel effort, quelle puissance sur cette frappe! Le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe, c'est magnifiquement fait. Il y a une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. Cette frappe lourde avec ce superbe ralenti, là. On en profite pleinement. Oula, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, mais... Oh, il attrape le montant. Il a préféré dégager ce ballon. Oh, quelle frappe magnifique. Ça fait 2-0, il domine les deux là. Et bien. Côté. Daniel Vaz. Elle fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire qui va passer une flèche. Ça c'est vraiment la chose qui me sidère. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Sur le fil, meilleur jeu pour cette situation. Voilà, passe complètement en marque. C'est cadeau. Est-ce que t'as le numéro de papa ou de trois? Ah, j'ai peur. C'est le geste défensif, il y avait danger, il fallait le faire. Et il dégage. Allez, Valdo, pour jouer ce ballon, il va y aller.
En aucun cas, je mets mon analogue ici. Et ce ballon est intercepté avec un tir. Oh oui, ça rentre. C'est exceptionnel. Hein, ce qu'il est en train de faire, c'est son troisième but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Porto. Rijkaard. Franck Rijkaard, l'archétype du joueur polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe, sur le flanc droit, au milieu du terrain. Ben clairement, ce match tourne à leur avantage. Porto. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Que fait ma spéciale, Arc-en-ciel but. Oui, la bonne équipe choisit la fin. Oh, le but, oui. Le gardien qui avait déserté son but complètement. Oui, avec une défense à la rue et un buteur qui a bien joué le coup. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Donc bien. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Daniel Vaz. Ok. Santi Cazorla. Ils sont à la lutte. Bradley. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Oh, ils vont marquer. Une action vraiment pu aller au bout. Il a manqué d'application dans le dernier geste, mais l'intention était bonne. On écarte le jeu. Casemiro. Sans petit casseur là. Non, elle a peut-être intercepté cette passe. Ça peut être dangereux là. S'il lance. Ah, la passe sans prof. Ah, il prend meilleur sur le gardien. Attention. Le ballon donné au milieu. Le tir. Oh, il but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Ok. Bien. C'est un petit casseur là. Vas-y, Hugo. Porto. Daniel Vaz. Attention à la frappe. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ah, il prenait clairement le chemin du but. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Daniel Vaz. Il prend sa chance. Ah, je quitte le jeu, c'est bon. Moi, je m'en bats les couilles. Qui vient t'alléger un petit peu la note. Bah, une note qui reste quand même. Ah, genre là t'abandonnes là. C'est un délire. Non, c'est bon, moi, je suis fatigué de ce jeu. Il était déjà impossible de. T'es mauvais. J'ai fini. Je vais nous approcher. Mais tu vas vite ce match tourne à leur avantage. On va se laisser, tu crois qu'on va se laisser faire? Oh, plusieurs balles dans le barillet. Faut des pesos, faut des dinero. Que des trafiquantes. Vous la racontez comme N'Golo Kanté. Rap game. Mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Le jeu, c'était tout, 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 tout. Partout. Je perce les prunelles. Peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Putain, tu fais une passe sympa le joueur que je. Porto, va-t-il parvenir à centrer? Dédédédéto, Nick, fuck la tecto, Nick. Électronique.
Allez, il faut centrer, c'est le moment. Reichskarl. Allez, Valdé, pour jouer ce ballon. 2 minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. Tu veux ma place, Dipo? Crie. Oh, le ballon dangereux. Oh, le but. Magnifique. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Et c'est la mi-temps. Eh bien, pour l'instant, on s'achemine vers un... Ah, tout ben, nan nan nan, tout ben, vamos, allez, tout ben, 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 ben. C'est reparti pour 45 minutes, avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, en ce sens, c'est moins intéressant à suivre. Tu mets des frappes de fiotte. C'est un petit peu sur là. Casemiro. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ah, il a tout le couloir devant lui. Santi Cazorla. Oh, carrément, tu l'as pas là, ça se fait. Allez, le centre maintenant. Allez, à nous, allez, à nous, allez, à nous, allez, à nous. Le ballon pour Sol Campbell. On va faire des premiers sur ce ballon. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On peut pas faire mieux, Pierre. Il a complètement écœuré la défense adverse avec une présence terrible les débuts à l'appel. On est parti sur des bases très élevées là, si ça continue, il va tomber du raccord. Oui. Il a du soutien. Ah oui, le bon ballon là. Ah oui, il est. Succession de passes très précises. Après le duel contre le gardien, non, c'est propre, rien à dire. Ah, le gardien, il doit s'incliner à nouveau. Et en plus, le pire, c'est qu'on a l'impression que ça s'en rend pas. La putain de tombe. En bas, le temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça. Oh là là, oh là là. Oh. Attention, il peut s'entrer. Ils font tout ça, la matinée. C'est du bien. C'est bien, le cœur, le cœur, le cœur. Ah, la passe mal ajustée. Fait des trucs chelous, vite ma mère. Pour la vie de Warm. Impossible de prendre le ballon, ok. Le ballon pour Sol Campbell. C'est naturel, Sol Campbell. L'une des pièces maîtresses hein, du système Wenger. Ok. T'aurais si bien fonctionné. Carré X. Ouais, celle de l'invincible Arsenal, comme on les appelait. Ok. Les gueuleurs sont au sommet de leur art à l'époque, avec une belle colonie de joueurs français, parce qu'ils étaient bien 6 ou 7. Il n'y a aucune défaite hein, à l'issue de la saison. Parce qu'il trouve un choix adverse. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. On s'approche du but. Il faut qu'il centre maintenant. Le ballon dégagé est large. Attends, Despi, c'était mon pote. Je roule un dernier Kamas. Deux pétasses qui se font des galoches comme à la Cinoche.
Mais c'est qui vend ça ici? Ok. Alors, tu l'interceptes. Mais pour rien du tout. Mais c'est qui vend ça ici? Ok, c'est qui je vais pas faire ça. Ouais, je m'en fiche. Ok, Baluta. Ok, Baluta. Super Baluta. Super Baluta. Ok. Mais c'est moi, attends. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Le ballon, une fois de plus, sort en corner. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Le gardien qui repousse. Tu ne sors pas la croquetta, mon vieux. Tu ne sors pas la croquetta. Attends, mon vieux. Eh, mon vieux. Tu l'interceptes, ça sert à rien. Tu es tombé à pic le moment où le mec il dit ça sert à rien. Bien sûr que ça sert à rien. T'interceptes un ballon, mais ça ne sert à rien. Ok. C'est catastrophique ce qui se passe pour cette équipe. Elle touche très peu de ballons en ce moment. Du coup, le public qui doute et qui râle. Ah, défense qui est malmenée hein, sur cette action. Ça, c'est mal pour plaisir. Hein. Ils sont absolument pas. Oh! Et faute, c'est très simple, hein. Généralement, elles sont qui sont. Je n'en paye pas. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ok. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste, bien défendu. Le risque était arrivé à sa hauteur, il lui décoche même un coup de pied dans la carrosserie. Il ne va pas en rester là, rejoint par ses deux acolytes. Il rattrape un coup l'intervention du conducteur. Il passe un savoir ultime, il a bloqué la circulation. C'était juste et dangereux. On vole le toit. Oh dommage, dommage. Mais c'est qui vend ça ici? Ok, c'est qui je lui passe un savon? Ok. Mais pour l'instant, je suis bourré de TV. Du qui te redonne la télécommande. Donc, d'après l'air, là, je peux me qualifier directement en Foot Champions. On va voir ça. Si je peux me qualifier, je vais commencer Foot Champions. Hey, donne-leur la télécommande là. Ah ouais? Non. Il avait vraiment raison. Ah, j'allais faire du Foot Champions, les gars. Ah, j'allais le faire, là. La vie doit... Tête de WAM. Je modifie le nom de ma diffusion. C'est Foot Champs, là.